Alors, je m'appelle Olivier Berlion, auteur de bande dessinée depuis bientôt 30 ans maintenant. J'ai à peu près tout dessiné dans ma vie. Je change souvent de sujet. J'ai fait de la BD pour enfants, de la BD pour adultes, beaucoup de polars quand même. C'est un peu... Et donc là, effectivement, je sors un nouveau projet qui s'appelle Agatha, et qui est aussi un polar, qui se déroule dans les années 30 aux États-Unis, sous l'ère de Lucky Luciano, qui était le fondateur du syndicat du crime, comme on le connaît actuellement, c'est-à-dire une espèce d'organisation très structurée. Il a réussi à réunir toutes les familles mafieuses américaines. Et voilà, et j'ai inventé une fiction qui se mêle au parcours de Lucky Luciano jusqu'à son arrestation en 1936. Voilà. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui débarque aux États-Unis, qui rêve de devenir une artiste et qui va croiser sa route. Pour l'instant, je l'ai écrit en quatre albums. C'est vrai que j'ai choisi un personnage féminin, d'abord pour deux raisons. D'abord parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de parler des femmes, mais c'est très compliqué quand on est un homme. Donc j'ai fait beaucoup lire ma bande dessinée à mes filles avant, enfin mon scénario avant, rien que pour avoir leur ressenti. Et puis surtout, l'idée est venue d'une déclaration de Lucky Luciano qu'il faisait souvent à propos de sa vie amoureuse. Et il disait souvent que si lui, il avait réussi dans les affaires, c'est qu'il ne s'était pas laissé enquiquiner par une relation compliquée. Et comme il s'est fait arrêter en 1936, je me suis dit, il y a bien eu un moment. Voilà. Donc en fait, c'est une espèce de prétexte en me disant, après tout, peut-être qu'à un moment, même si il est avéré qu'il a eu qu'une relation un peu sérieuse dans sa vie, mais voilà. Donc c'est évidemment une histoire qui ne marchera pas pour lui, mais ça me permet de parler des femmes, et surtout à cette époque, dans les années 30, où c'était à la fois les années folles où elles s'émancipaient, elles s'appelaient les garçons, etc. Elles essayaient de rentrer dans les bars grâce à la prohibition, en fait, puisque comme tout le monde était illégaux dans les bars, plus personne ne pouvait faire vraiment la loi, et finalement les femmes rentraient dans les bars, on n'osait plus rien leur dire, parce que de toute façon, tous les gars n'avaient pas le droit d'être là. Donc il y a eu cette espèce d'émancipation un petit peu des femmes, mais malgré tout, c'était encore très très compliqué pour elles, donc c'est une période intéressante, que je trouve intéressante. Au départ, il y avait la série Boardwalk Empire, sur laquelle je suis tombé, effectivement, une très très belle série produite par Martin Scorsese. Et c'est vrai qu'elle m'a vachement plu par son esthétique, puis la reconstitution de l'époque. Et puis c'est en fait, Agatha n'est pas partie de moi réellement, c'est-à-dire que c'était un dessinateur au départ qui m'avait demandé un scénario sur cette époque justement. Et donc j'ai commencé à écrire. Je suis arrivé là par hasard, quoi, dans cet univers qui me plaisait beaucoup, hein, esthétiquement. Et puis, bon, le dessinateur, pour des raisons diverses privées, n'a pas pu faire l'histoire. Et du coup, je l'ai pris en charge et j'étais ravi parce que ça me plaît beaucoup. S'ils avaient à la fois... Enfin, il y avait quelque chose à la fois assez classe, la classe qui côtoyait vraiment les bas-fonds. Et donc, ça permet d'illustrer beaucoup de choses diverses graphiquement, c'est très intéressant. Alors, les inspirations autres, on va dire, évidemment, il y a beaucoup de cinéma américain, hein. Donc bien sûr Brian De Palma, Les Incorruptibles, Cotton Club de Coppola, qui n'est pas un méga film mais qui esthétiquement me plaît beaucoup. Un roman qui s'appelle Le Gang des Rêves, qui est absolument magnifique. Et qui est aussi dans cette période. Donc voilà, tout ça m'inspire beaucoup. Ouais. Parce que c'est une période où les gens vraiment pouvaient passer de rien à beaucoup. Et c'était hyper dur. Et en même temps, tout le monde pouvait un petit peu rêver jusqu'à la crise effectivement, de 29, où là, ça a été un peu plus difficile. Et puis alors, ce qui me passionne vraiment dans cette époque, c'est que déjà toute la corruption, toute la compromission politique qu'on connaît encore, elle était déjà installée. Alors cette planche, elle était presque inutile dans le scénario, mais elle est hyper importante pour moi parce que c'était un moment, un basculement. C'est-à-dire que normalement, dans la BD
on va dire, classique. On doit faire un certain nombre de pages qui sont 54, 46. Enfin, il y a des formats un peu imposés. Et normalement, je devais faire un album de 54 pages. Et puis, à ce moment-là, dans cette séquence, j'avais envie de dessiner le lac Michigan en grand. Et j'avais envie d'une respiration parce que il s'était passé pas mal de choses. Et je me disais, bon, le camion roule, il faut faire une pause. Et du coup, j'ai appelé mon éditeur en lui disant, dis donc, est-ce que ça te gênerait si je fais un peu plus de pages que prévu, parce que j'ai envie d'envoyer des grandes images pour casser un peu le rythme, pour modifier la narration, pour que le lecteur aussi, de temps en temps... Et il a longtemps réfléchi, je lui décris ma page qui est un peu inutile, et il me dit, bon, d'accord, donc on va considérer que tu vas faire ton meilleur album. Et donc dans ce cas-là, je te dis oui. Et donc du coup, je suis parti à ce moment-là, à partir de cette page, sur une autre pagination. J'ai même refait du coup les premières pages, je les ai un peu plus étalées. Et ce que j'aime bien en plus dans cette page, c'est que graphiquement, j'ai vachement cherché à trouver le ton, enfin le truc qui me convenait pour décrire cet univers. Et c'est sur cette page où j'ai enfin trouvé le parfait équilibre entre le travail de la couleur et le trait noir. Alors après, j'ai pas forcément réussi à le garder tout le long de l'album, mais pour moi, sur cette page, c'est juste ce qu'il faut. C'est-à-dire le noir n'est pas trop puissant, il est là, il soutient, mais il garde une espèce de côté, notamment dans les deux premières cases où on voit les commerçants dans le fond. On les voit, ils sont dessinés, mais ils ne s'imposent pas, vous voyez. J'ai réussi à trouver l'équilibre un équilibre de traits qui est là, mais qui prend pas le pas sur la couleur. Et en fait, c'est là que je me suis autorisé enfin à mettre la couleur en avant. Et sur le tome 2, je vais aller beaucoup plus vers ça, parce que finalement, vu que je fais de la couleur, je me dis que le trait est pas capital. Il doit être là juste pour tenir la structure. Mon premier contrat, je l'ai trouvé au Festival d'Angoulême, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, je venais avec mon petit carton à dessin pour trouver éventuellement un éditeur. Et c'est sur ce salon que j'ai rencontré Eric Corbeyran, qui fut mon premier scénariste sur ma première série qui s'appelait Le Cadet des Soupe-Tards. Ensuite, on a fait pas mal de bouquins ensemble. On a été nominé pour le meilleur album une année avec un album qui s'appelait Litvin. Et puis, on va dire, bah oui, c'est le point central de la bande dessinée française. Et quand on est un fan de BD comme moi je l'ai été, c'est toujours un super moment. Voilà, même si c'est assez fatigant et qu'il y a beaucoup de stress parce que c'est aussi très professionnel. Mais non, dès que je peux, je viens. Glena. C'est mes lectures d'adolescent déjà, parce que moi je lisais le journal Spirou quand j'étais jeune, et puis ensuite je suis passé à la BD un peu plus adulte, et il y avait à l'époque le journal Circus, et moi qui rêvais d'être auteur de BD, ce journal était absolument génial pour moi, parce que d'abord il y avait plein de nouvelles séries, on va dire, d'aventures, de fiction, mais vraiment pour les adultes. Il y avait évidemment Les Passagers du Vent, Cette Vie de l'Épervier, les choses comme ça, les Sambres. Qui commençait à apparaître, et tout ça me plaisait énormément, et ouais, j'ai toujours eu envie de faire des sagas comme eux, ils en ont fait pendant des années, et ils continuent d'en faire. Récemment, il y avait Il était une fois en France, que je trouve beaucoup, vraiment une super série aussi, dans ce genre-là. C'est une maison qui est vraiment, on va dire, familiale, sympathique, on s'y sent bien. Et puis, ils aiment vraiment la BD franco-belge que j'ai aimée, même s'ils font d'autres choses, évidemment, maintenant avec les romans graphiques, le manga, etc. Mais ils gardent cette affection pour une BD qu'on dit maintenant classique et que j'aime beaucoup.